Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour ce 12e numéro des lives de l'économiste sceptique consacré à l'épidémie de Covid-19. Donc aujourd'hui, mon invité est Denis Colombi. Salut Denis. Salut. Donc tu es docteur en sociologie, tu es agrégé en sciences sociales. Et avec toi aujourd'hui, on va discuter d'une vaste question. Sommes-nous vraiment égaux face au virus? Ok. Voilà, donc avant d'entamer le live à proprement parler, je fais mes précisions habituelles, plus quelques autres. Donc première chose, qu'est-ce que j'essaie de faire avec ces lives? L'objectif, c'est de donner des éléments d'explication pour comprendre ce qui se passe avec cette crise du coronavirus et du Covid-19, mais sans rajouter à l'anxiété ambiante, ce qui est quand même une caractéristique des chaînes de télévision et d'information continue. En l'occurrence, l'OMS recommande de ne pas se renseigner trop fréquemment sur les chaînes d'information continue pour ne pas rajouter d'anxiété. Donc l'idée, voilà, c'est pas d'en rajouter non plus avec ces lives. L'idée, c'est également de donner la parole à des experts. En l'occurrence, pour parler de sociologie, j'ai trouvé que c'était pertinent d'inviter un sociologue. Et aussi dans une logique un peu plus sceptique, un peu plus entre guillemets militante, enfin de militantisme sceptique, hein, voilà, de lutter contre le bullshit et un certain nombre d'idées fallacieuses qui peuvent circuler, hein, puisque dans une phase d'incertitude, ça peut être l'occasion pour un certain nombre de personnes de répandre leur bonnes mensonges, et du coup, voilà, l'idée c'est aussi de donner un récit un peu différent. Et enfin, et ça c'est la grande caractéristique de ces lives, c'est de vous permettre à vous d'interagir avec l'invité, ou avec moi éventuellement, mais là aujourd'hui c'est surtout l'invité, donc en posant des questions et simplement, ou même simplement en faisant des commentaires. Donc l'émission se compose de deux parties. La première partie, c'est une espèce de mini-interview donc avec Denis que je conduis, et puis ensuite dans la deuxième partie, je vais dans la chatroom pour faire remonter vos questions et vos remarques, et puis ensuite on discute ensemble de vos questions, de vos remarques. Donc c'est pour plus de la moitié du temps, en fait, c'est votre émission plutôt que la mienne directement. Alors, deuxième point, donc dans les annonces, les prochains lives. Donc jeudi prochain, 18h30, donc je retourne à l'horaire traditionnel des lives. Donc jeudi prochain, 18h30, je l'avais déjà annoncé la semaine dernière, mais je le redis parce que ça me fait vraiment plaisir de l'avoir depuis le temps que j'essaye de l'avoir. Ce sera Tania Louis, donc qui fait de la vulgarisation, que vous connaissez sans doute si vous faites de la vulgarisation, enfin si vous êtes intéressé par la vulgarisation. Et elle a fait un gros travail d'information sur l'aspect virologique et épidémiologique de traduction des informations pour le grand public. Et donc du coup, avec elle, on va essayer de discuter. Alors le thème exact n'est pas encore défini, je la vois sur Skype la semaine prochaine pour préparer l'émission. Mais en gros, l'idée, ça va être de discuter de comment on fait pour bien s'informer pendant un événement aussi, aussi soudain et aussi incertain qu'une épidémie de virus complètement inconnu. Alors, une fois que le live de la semaine prochaine aura lieu, je vais faire une petite pause dans les lives, parce que là, j'en ai fait un, voire deux par semaine depuis quasiment le début du confinement. Donc, j'ai besoin de lâcher un petit peu, de me reposer un petit peu. Donc, il y aura une petite pause d'une durée que je ne peux pas encore vous communiquer, mais qui sera temporaire. Et je reviendrai ensuite avec de nouveaux invités. J'ai déjà commencé à réfléchir à des gens et j'ai déjà des petites discussions en cours. Sur un rythme qui sera sans doute plutôt un rythme mensuel qu'un rythme toutes les semaines, avec la possibilité de temps en temps de rajouter un live intercalaire, donc du coup ça sera toutes les deux semaines, sur les éléments un peu plus d'actualité économique, quand il me paraîtra, disons, utile de refaire un point sur l'actualité économique liée au coronavirus et au Covid-19. Voilà pour les annonces, donc on va pouvoir commencer avec l'interview de mon invité Denis. Donc merci Denis d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi de m'avoir invité. Alors, aujourd'hui, la question majeure, on va dire, qui va, ou le fil conducteur de l'émission, c'est sommes-nous vraiment égaux face au virus? Alors, on ne va pas se poser la question d'un point de vue épidémiologique, ou d'un point de vue virologique, ou d'un point de vue de la santé, puisque ce n'est pas tes compétences, ce n'est pas les miennes non plus. Mais on va voir ce que la sociologie, en l'occurrence, peut permettre de donner comme clé de lecture, comme clé de compréhension. Et donc, on va aborder trois sections, enfin, disons, trois thèmes principaux dans cette interview. Le premier, c'est est-ce qu'on est tous égaux dans le respect du confinement, et sinon, pourquoi? Pourquoi est-ce que certaines personnes ont plus de difficultés que d'autres à respecter le confinement? Et on va se poser la question de la consommation.
on ne consomme pas de la même manière, de manière générale, dans la société, selon la classe sociale à laquelle on appartient. Et c'est aussi vrai lors d'une épidémie comme le coronavirus. Et on ne participe pas non plus à l'activité de production selon le milieu social dans lequel on appartient. Alors, je trouvais intéressant de te faire intervenir sur ces sujets-là, parce que c'est des sujets en apparence qui sont économiques, mais je trouvais du coup voilà, intéressant de te permettre à un sociologue d'en parler, surtout les deux derniers, sur la consommation et la production. Oui. Plutôt un sociologue de l'économie, donc oui. Ça reste pour montrer aussi comment les disciplines se répondent l'une et l'autre. Alors, mais avant ça, on va commencer sur le respect du confinement à proprement parler. Puisqu'on a vu dans certains quartiers, certaines populations ont plus de difficultés que d'autres à respecter le confinement. Donc une première attitude, ce serait de dire, ce serait de porter un jugement, de dire les gens ne sont pas civiques, ne respectent pas les règles. Mais en fait, ça recouvre des réalités sociales et individuelles qui sont différentes selon les quartiers, selon les groupes sociaux. Et du coup, qu'est-ce que, alors sans forcément entrer dans les détails, mais qu'est-ce qu'un sociologue peut vouloir dire à ce sujet de manière, voilà, comme ça, à brûle pour point? La première chose, en tant que sociologue, que je suis ravi de soulever, c'est on a une image médiatique qui s'est construite assez rapidement. T'as les premiers temps du confinement où on aurait certaines populations, celles des quartiers populaires, celles des quartiers en difficulté, qui respecterait moins le confinement que les autres. La première chose que j'aurais envie de te dire, c'est, pour en être sûr, il faudrait enquêter. Bon, évidemment, c'est difficile d'enquêter à la période actuelle, et surtout, ça prend du temps de traiter les données, etc. Mais au moins poser cette question, parce que on a des images médiatiques, effectivement, de personnes venant de quartiers populaires qui sont plus contrôlées, qui sortent peut-être plus, ou qu'on a plus vu dans l'espace public. Mais est-ce que les images médiatiques qu'on en a recouvrent une réalité? Toute la sociologie de la télé classe qui a montré ça, par exemple, entre la télé classe réelle et la télé classe telle qu'elle est mesurée par les chiffres de la police, il y a une différence qui est assez importante. C'est ça le chiffre noir de la télé classe. Et c'est un peu la même chose. Hein. On a une activité policière et un regard médiatique qui s'est centré sur certains quartiers, où effectivement, il y a eu des personnes qui n'ont pas respecté le confinement. Est-ce que pour autant, si on se tourne vers des quartiers moins populaires, plus riches, est-ce qu'il n'y a pas eu autant de torts sous confinement qui auraient été plus discrètes, soit parce qu'elles ne sont pas contrôlées, soit parce que les personnes ne sont pas contrôlées, soit parce qu'il n'y a pas les caméras de télévision pour voir il y aurait déjà ce premier aspect-là, et mon avis mérite d'être soulevé, c'est à ce qu'entre l'image médiatique qu'on en a et la réalité, bon, il peut y avoir une distance qu'il faudra interroger, qui sera sans doute interrogée par les sachets. Il y a déjà un certain nombre de chercheurs qui ont laissé des questionnaires autour du confinement. On va avoir, à mon avis, d'autres sachets là-dessus. Donc, c'est une première chose qui me semblerait devoir être soulignée. Ensuite, il n'empêche qu'il peut y avoir des différences. Il y a des différences, on l'a vu, notamment le département de la Seine-Saint-Denis, le 93, a été plus fortement touché par une surmortalité que les centres. Voilà, il y a eu un rapport qui est sorti hier ou avant-hier, je ne sais plus, qui le confirmait. Et là-dessus, c'est ça tout à partie parce que les personnes n'ont pas respecté le confinement. Je ne sais pas si on le fait moi qu'ailleurs, mais elles n'ont pas forcément respecté. Il y a aussi une question aussi d'offre de soins parce que tu as ce département-là qui est moins important. C'est aussi une question à soulever. Mais on a une contrainte particulière aussi dans cet espace-là, dans ces quartiers-là, pour respecter le confinement, sachant que ce sont des quartiers où les logements sont plus petits. C'est pas la même chose d'être confiné dans un centre appartement du centre-ville, d'une grande ville, ou dans une villa avec jardin à la campagne, que d'être confiné dans un HLM où on est une dizaine. Dans son appartement. Il y a des familles en poste qui ont pas tout à fait. Voilà, c'est déjà pas la même chose. Puis ce sont des personnes surtout qui participent de plein de façons à l'activité économique, des aides-soignantes, des aides-soignants, des livreurs, Uber et tout le reste. Et puis
tout un ensemble de personnes qui peuvent participer à tes formes d'économie informelle. On passe économie informelle parfois au ce type, voilà, ça va être les trafiquants de troc et ce genre de choses. Ça fait partie, mais c'est pas ça. C'est aussi tes artisans qui ne peuvent pas forcément repousser leur châtier parce que leur exige d'y être. Ça peut être des personnes qui travaillent à la restauration, mais au noir, ou te fassent à tes situations de très forte retraite et qui, elles, ne peuvent pas, non seulement ne peuvent pas, sont toujours sollicités, mais qui, à plus, sont sollicités sans avoir possibilité de refuser. Parce que si vous travaillez au noir, parce que, par exemple, vous êtes sans papier, vous ne pouvez pas trouver un emploi autrement, votre employeur peut très bien vous dire pas de chômage technique, pas de chômage partiel, si tu ne viens pas, tu es viré. Donc, la retraite sur ces populations-là est sa toute plus forte. Ce n'est pas du tout la même chose d'être confronté à cette situation du confinement en fonction du milieu social où se trouve. C'est la première chose qui est un peu élémentaire qu'on peut relever. Mais j'ai l'impression, du coup, pour rebondir un peu sur le point que tu disais sur l'attitude, enfin pas l'attitude, mais disons sur le récit médiatique autour du respect du confinement, là, juste en cinq minutes, en couvrant de manière assez, sans entrer dans les détails, on voit en fait que derrière une histoire médiatique, entre guillemets, simple, qui est... alors, moi, j'ai aussi en tête ce qu'on a vu au Canal Saint-Martin à Paris lundi, avec les gens qui étaient le long des quais, qui buvaient des bières, avec la police qui évacue, etc. C'est une autre histoire que ça alimente. C'est l'idée que, alors là, pour le coup, ce seraient les bobos et un peu irrespectueux, etc., qui dès que l'occasion se présente, reprennent leurs aises, etc. Mais en fait, on voyait d'autres images de Paris. Enfin, justement, on les a pas vues directement dans les médias, mais on les a vues ailleurs, d'autres images de Paris où en fait les gens étaient restés chez eux. Donc il y a un effet loop qui peut, qui du coup sert aux médias, dans les médias, pour raconter une histoire que le public va pouvoir, à laquelle il va pouvoir se raccrocher. Mais on voit que juste en quelques minutes, en te laissant parler là tout juste avant, ça recouvre des situations qui sont beaucoup plus compliquées, beaucoup plus complexes et beaucoup plus subtiles quelque part que les gens ne respectent pas ou les gens respectent. Oui, mais en fait, il y a ce qu'on appellerait à sociologie tes quatre interprétations, tes quatre politiques d'interprétation, qui sont posés assez rapidement et qui font qu'on va avoir plutôt tendance, on va avoir une sorte de biais, qui pour le coup n'est pas un biais cognitif, qui est un biais produit par ce cadre, à privilégier certaines explications que d'autres. Concernant les quartiers populaires, ben on a un certain nombre d'éditorialistes qui ont profité de ça pour en fait reprendre discours qui sont toujours que les personnes qui vivent dans les quartiers populaires, ces quartiers populaires-là, plutôt... issue de l'immigration, avec tous les timés qu'il faut autour de cette expression qui pose beaucoup de problèmes, et en tout cas qui sont identifiés, comme ça, respectent de moins les règles. Et donc, on va avoir plus d'attente peut-être à écouter ce discours-là, ou un certain nombre de personnes vont avoir peut-être plus d'attente à écouter ce discours-là, parce qu'il renforce un préjugé, parce qu'il renforce un cadre qui est déjà prégnant. Ensuite, le deuxième aspect là-dessus, c'est qu'on a un cadre politique autour de cette question, qui est plutôt un cadre de lecture à terme de responsabilité individuelle. Si les gens sortent, c'est parce que ils font le choix, ouais, ils décident. Prennent la décision de sortir, et surtout parce qu'ils sont inconscients des risques. Et en fait, ça, même si on regarde du côté du Canal Saint-Martin et d'autres exemples comme ça, c'est pas évident du tout que les gens ne soient pas conscients des risques. En fait, un quatrième problème comme étant celui de les gens ont un mauvais comportement et c'est de leur responsabilité de respecter la règle. On ne s'interroge pas sur quelle est la nature et la forme d'expression de cette règle. Quelles sont les contraintes qui passent sur eux, mais aussi quelles sont les marges de manœuvre, les zones d'incertitude qui vont être produites par une règle qui est nécessairement incomplète et qui va laisser une marge d'interprétation. Donc à 4 ans, les choses comme ça, et quand je parle de 4 ans, c'est un 4 ans par une série de discours, de prises de position, d'institutions, de règles, de dispositifs matériels aussi, simplement placer une caméra
et chercher à filmer quelque chose, on cherche à filmer des gens. C'est plus facile de montrer les gens qui ne respectent pas le taux filmant ou qui ne le respectent plus ou qui sortent tout de suite au canal Saint-Martin parce que visuellement ça se voit, que d'essayer de faire un raisonnement qui passe bien fait quelles sont les conditions, quelles sont les difficultés, quelles sont leurs conditions de vie, quelles sont les difficultés que pose le taux filmant, le taux filmant, quelles sont les règles, etc. etc. Ce passage par en fait une espèce de réflexion sur l'organisation collective, il est moins visuel, il est moins parlant, et donc il a peut-être moins de chances d'accrocher le regard, surtout si on a une lecture rapide de ce type d'événement. Là-dessus, les chaînes d'information, justement, d'information continue, sont sous la contrainte, qu'on peut comprendre à terme de conditions de travail aussi des journalistes, ils peuvent produire l'image à continu et du commentaire à continu. Il faut remplir la machine. Et donc, ils vont plutôt avoir tendance à privilégier ce type d'image-là et ce type de discours-là, ce qui peut créer une boucle, une espèce de boucle informationnelle où on renforce un cadre, ça, forcément, l'avoir, un cadre de lecture des événements, ça, forcément, qu'il soit passé, hein, il n'y a pas eu un complot ou une organisation pour imposer cette façon de voir les choses, mais par la condition de travail journalistique, souvent, elle peut s'imposer et elle peut se maintenir. Ouais, en fait, si j'avais à essayer d'exprimer ça sous un langage d'économiste, en fait, les chaînes d'infos continues ont une incitation à montrer des images qui sont les plus spectaculaires, entre guillemets, parce que... pour des questions d'audience, en fait. Si on nous montrait un métro où il y avait les gens qui respectent la distanciation sociale, plutôt qu'une rame bondée sur la ligne 13 lundi matin, ça intéresserait personne. Et du coup, l'audience tomberait, donc les revenus publicitaires tomberaient, donc la chaîne serait en difficulté. Et c'est la même chose ici. Si on nous montre des quartiers, alors que ce soit des quartiers un peu bobos ou des quartiers plus populaires, dans lesquels, bon, bah, il se passe rien, les gens restent chez eux. Alors oui, il y a quelques personnes qui se promènent, entre guillemets, mais en fait, on voit qu'elles font leurs courses ou qu'elles respectent les distances de sécurité d'un mètre cinquante entre les gens et qu'elles portent un masque. Au final, il n'y a pas d'histoire à raconter. Oui, et même ça, ça l'est, t'as la recherche de sensationnalisme qui peut exister, mais tous les journalistes ne sont pas là-dessus. Le fait de devoir traiter cette affaire-là au travers de l'image, au travers de ce dispositif technique qui est l'image, contraint, en quelque sorte, le type d'histoire qu'on peut raconter. Montrer une image d'une rue vide ou d'une rue pleine, ça dit quelque chose, mais ça peut masquer derrière tout le travail d'organisation, d'institution, de règles qui vont être produites, qui sont produites, qui a lieu et qui produit cette rue vide ou cette rue pleine. Alors qu'en fait, c'est ce travail-là aussi qui a... On a beaucoup attaché aussi... je crois que c'est la Norvège qui n'a pas chauffiné, qui n'a pas fait chauffement. Et où, voilà, la Suède, pas la Norvège, et où il y a moins de malades. Alors, je suis allé vérifier si les chiffres étaient très types, ou quoi que ce soit, mais c'est aussi quelque chose qui, voilà, ça peut se montrer. On montre une image de Suédois à la rue et on dit, voilà, ils sont moins de malades. Faire le raisonnement, expliquer pourquoi cette différence peut s'expliquer, qu'en fait, elle n'est pas forcément liée à l'absence ou à la présence de confinement et qu'elle a peut-être d'autres facteurs, c'est quelque chose qui est plus lent, qui rate plus difficilement, t'as les cadres de tistour et t'as les curés de tistour à bosser par les chaînes d'information continue et les lives qui se multiplient sur les sites d'information. Et donc, c'est une information qui peut être plus difficile à faire passer. Oui. Et du coup, tu me fais une très belle transition avec notre deuxième partie sur les modes de consommation par rapport aux images. Puisqu'on a vu ces images, alors des files devant McDo, devant Zara, devant un certain nombre d'endroits. Où les gens se sont précipités pour aller acheter un burger, par exemple. Il y a eu toute une discussion sur un des tweets où j'ai annoncé le live où les gens disaient « Mais je comprends pas pourquoi les gens ils vont à McDo, parce que pour quelques euros de plus, on a de meilleurs burgers, etc. etc. » Et en fait, du coup, aussi bien les images que les réactions, et surtout peut-être plus les réactions qu'elles produisent, sont aussi, en fait, on oublie, ou en tout cas on ignore, derrière des mécanismes sociaux où les modes de consommation d'un burger, par exemple, ne sont pas forcément les mêmes selon le milieu social, selon tout un ensemble de paramètres socio-économiques comme ça. Oui, en fait, à ces cas-là aussi, l'image va poser une sorte de saturation sur la question du consommateur. C'est le consommateur qui pose problème.
Alors, avec tes versions différentes, hein, soit on va t'écrire comme un imbécile qui n'est pas capable de se contrôler, qui veut tout de suite son percheur, soit il est manipulé par la publicité, par le trac capital, par McDonald's, etc. Donc, on prête pas forcément, on se pose pas vraiment la question de quelle est la logique qu'il y a derrière. C'est assez difficile, évidemment, de dire précisément pourquoi les gens sont allés acheter, ont fait la queue pour acheter un hamburger chez McDo à ce moment-là. On ne sait pas exactement qui sont ces personnes, on ne sait pas s'ils sont riches, s'ils sont pauvres. Voilà, on a peu d'informations. Mais après certaines informations comme ça, on se s'attarde sur leur comportement, effectivement, avec ce type de réaction, mais ils sont qu'à faire leur hamburger eux-mêmes, et après tout, c'est bien meilleur. C'est ça tout vrai que le hamburger maison est bien meilleur, mais ça peut s'appliquer en fait à n'importe quelle consommation. Personne ne produit tout chez lui et on achète des plats préparés, même s'ils sont meilleurs faits maison, etc. Pour toutes sortes de raisons. Mais on se sent tout sur le rôle du consommateur et pas une fois de plus sur ce qui rend possible ce type de consommation, cette consommation-là, à commencer par l'ouverture du travail par McDonald's, les conditions de travail de ces travailleurs, etc., etc. C'est aussi ces questions-là qui sont très facilement cachées et ça débouche assez systématiquement sur ce type de discussion. Mais moi, mon hamburger à tel café ou à tel A3, il est plus cher, il est moins cher, il est meilleur, etc. Le plus probable, c'est, je fais une hypothèse, hein, c'est une hypothèse qui fait ce qu'elle veut, mais à partir du moment où on va avoir des matchassets qui vont réouvrir, que ce soit Matchdo, Sarah ou autre, et un discours politique, une fois de plus, un quatrage politique qui va être de dire il faut que l'économie reprenne, il faut que ça reparte, parce que sinon on va perdre tout emploi, etc. Et puis à plus, il faut que ça reparte et on va mettre les SAFA à l'école, on va réouvrir les écoles, etc. Forcément, il va y avoir des personnes qui vont se dire bon, ben, elle aussi. Consommant, alors aussi, oui. Alors Matchdo ou des choses comme ça. C'est pas irrationnel, c'est pas un problème de match de contrôle ou quoi que ce soit. Même faire Matchdo pour simplement reprendre une vie normale, pouvoir se payer quelque chose qu'on aime bien, que ce soit un vêtement chez Sarah ou un Big Mac chez Matchdo, parce que ça nous fait sentir qu'on est revenu à la situation normale. Voilà, ça n'a rien d'irrationnel. Tu en prends la peine de chercher à le comprendre. Et à tous les cas, ça ne doit pas masquer les autres sachets qu'il y a autour de cette question-là. Si la question, c'est qu'à faisant ça, en ayant ce type de comportement, on met attaché la santé et surtout la santé d'autrui, dans ce cas-là, ben, il faut se poser la question de est-ce que la règle du déconfinement à ce stade-là, ou de cette façon-là, ou de cette condition-là, est la bonne. C'est une autre question qui est peut-être plus intéressante. En fait, ce que tu dis sur le McDo, le fait que les gens veuillent reprendre leur vie normale, c'est en fait j'ai plusieurs éléments pour rebondir et du coup je sais pas par lequel commencer, mais en tout cas je trouve que l'hypothèse que tu as proposée que en fait les gens veulent reprendre retrouver une forme de normalité après 2 mois qui ont quand même été 2 mois qui sont sans précédent de rester 2 mois à la maison, de devoir remplir des attestations papier ou numérique, enfin peu importe, mais pour sortir de chez soi, c'est pas des conditions de vie auxquelles on est habitué dans une démocratie libérale entre guillemets comme l'est la France, peut-être même dans d'autres pays aussi, enfin bref. Et du coup moi j'ai interprété c'est que dans les sans dire que c'est la seule interprétation possible, parce que tu l'as aussi dit très bien, on ne sait pas exactement pourquoi les gens y sont allés à ce moment-là. Moi, je l'ai surtout vu comme un espèce de retour à la vie normale, et puis se faire un petit plaisir, en fait, avec les moyens du bord, on va dire. Moi, j'ai des amis, alors après, c'est de l'anecdote, mais j'ai des amis qui sont allés dans des magasins X, Y, je ne veux pas citer de marque, enfin, peu importe, mais ils n'ont rien acheté, en fait, c'était juste pour pouvoir retrouver une activité qui ressemblait aux activités qu'ils avaient avant le confinement, en fait. Oui, il y a tes chats qui sont allés à tes librairies, il y a tes chats qui sont simplement sortis faire un tour, il y a tes chats qui sont allés au Canal Saint-Martin. On a un sap de comportement, de recherche, de retour à une vie d'avant, une vie où, en tout cas, où on peut sortir. Ce qui est intéressant, c'est aussi que notre retard est attiré par le Matchdo, il est attiré par Sarah, est attiré un peu par les chats sur le Canal Saint-Martin, il est moins facilement attiré par toutes les autres formes de sortie, de reprise
en fait d'une activité normale qui ont pu avoir lieu de façon plus discrète, mais qui en fait retrouvent ça toute la même logique. Ouais. T'as des exemples en tête ou des On a moins d'un mois de quartier, j'ai vu déjà sortir simplement se promener, faire tout près la rue. Il y avait des images de personnes qui prenaient un verre à la terrasse de certains cafés qui avaient juste un peu ouvert leur terrasse, puis ils prenaient à la rue, des choses comme ça. Je me souviens de ces images aussi de, alors c'était Panal Kofima, les premiers jours où il a fait beau, où on a des personnes qui étaient allées, voilà, dans des parcs qui étaient à cœur ouvert, des choses comme ça, avec leur safa, juste pour que leur safa sorte, et ils s'étaient écrits médiatiquement sur les réseaux sociaux, mais ils sont écossais, ils savent pas ce qu'ils font, ils vont tuer tout le monde. Et en fait, lorsque on voyait les interviews simplement par les journalistes, ils s'expliquaient assez clairement, on est écossais, tu risques, on est écossais, mais voilà, ça fait un mois et demi qu'on est avec les safa à la maison, on a bien le droit de souffler un peu, et puis on prend les précautions, on se rapproche pas des chats, etc. Mmh. Donc, une fois de plus, ces comportements-là ne sont pas irrationnels, ce n'est pas non plus inconscient, tu t'achètes, souvent, d'après ce qu'il ressort, plutôt tes chats qui sont conscients, tu risques, et puis essayent de te composer avec. Ouais. Et à terme aussi, de ce que je disais tout à l'heure sur un 4H, tu problèmes comme un problème individuel. Lorsqu'on a eu aussi des discours politiques et autres qui ont consisté à dire si vous ne respectez pas le confinement ou si vous déconfinez mal, et ben vous allez tomber malade, ce sera bien fait pour vous, ou on devra reconfiner, et ce genre de choses. Je crois que le préfet allemand a fait quelque chose comme ça, d'accord, une remarque comme ça. Ben, en fait, lorsqu'on le reçoit comme ça, une réaction possible, c'est de se dire d'accord, ben, je prends le risque, j'assume moi de prendre le risque, et c'est aux autres, s'ils ne veulent pas être en situation de risque, de ne pas sortir. Mmh. Ce qui est évidemment très mauvais, puisqu'en fait, le but n'est pas simplement de confinement, n'est pas simplement que chacun soit protégé, mais aussi de protéger les autres. À partir du moment où on cadre ça comme un problème de responsabilité individuelle et pas comme un enjeu collectif, et bien on a ce type de comportement qui va être possible, de se dire après tout. Et c'est d'ailleurs ce théâtrage politique, on le voit peut-être plus fortement aux États-Unis, dans les images qu'on a de manifestants contre le confinement, qui disent, voilà, laissez-nous sortir, si vous voulez vous confiner, c'est votre problème, moi, j'ai envie de prendre le risque, laissez-moi le faire. C'est une lecture très habituelle, mais qui n'est pas, c'est pas la culture américaine qui serait très différente de la culture française, c'est une question de discours politique, c'est une question de mouvement social, de mouvement politique, c'est pas n'importe qui politiquement qui se situe sur ce discours-là, et d'autres, c'est une question collective d'un jeu de discours, d'organisation et d'institution. Oui, parce que typiquement, pour ce qui se passe aux États-Unis sur les manifestations, enfin, ça a été documenté que, en fait, c'est parti de quelques groupes qui ont organisé ça, qui sont très à droite, on va dire ça comme ça, qui ont du coup, en plus, ça a tendance à se passer dans des États où les gouverneurs sont démocrates. Donc en fait, il y a tout un jeu politique en fait derrière. C'est pas des manifestations spontanées. C'est organisé politiquement. Et tout ça s'inscrit dans une histoire récente politique qui remonte à minima. Je suis pas spécialiste de l'histoire politique américaine, mais à minima, je pense qu'on peut retrouver les traces de ça. T'as le Tea Party, donc c'était sous Obama, de refus du gouvernement fédéral, des règles collectives et d'une forme de libertarianisme, donc d'idéologie libertarienne qui s'ancre dans certains secteurs de la population américaine et qui tombe ce comportement-là. Et à France, alors on n'a pas forcément un mouvement qui s'est centré politiquement autour de cette question-là, ou qui n'a pas fait tâche d'huile comme là-bas, mais on a quand même des discours qui ont été plutôt individualistes sur le fait que si vous ne respectez pas le comportement, ben ça sera de votre, le confinement par toi, ça sera de votre faute, si on doit reconfiner, ce sera de votre faute, ce sera de votre faute, ce sera de votre faute. Au bout d'un moment, si la question se joue au niveau de l'individu, et ben certains vont avoir immédiatement le réflexe de se dire « Ok, ben moi je prends le risque, je l'assume, faites de même. » Et donc c'était une question de discours, d'institution et d'organisation politique, beaucoup plus que ce soit un comportement
qui aille de soi, qui soit naturel, ou même une question de culture nationale française, rebelle aux règles. Les Italiens aussi, qui sont une culture qui rebelle aux règles, les Anglais aussi, les Américains aussi, tout le monde. Oui. C'est ça. Oui. Oui, du coup, c'est éviter les généralisations, un peu le village gaulois résistant à l'envahisseur, etc. Et puis surtout prêter à la culture une sorte d'immanence extérieure aux similitudes qui les contrôlerait. Ça, quand on prend pied pour toi, il vaut mieux revenir à chercher tes traces concrètes de comment ça peut venir aux similitudes. Donc, c'était cette institution, c'est-à-dire c'était mouvement, c'était forme de socialisation, d'apprentissage, c'était histoire politique, c'est l'information de qui se pose. Voilà, la culture, souvent, enfin, ça, c'est une position sociologique un peu plus marquée de ma part. Je sais pas forcément le plus consensuel à sociologie, mais moi, je trouve que essayer d'expliquer les choses par une culture qui soit supérieure aux activités et qui laisse ses traces, bon, on a fait ça à une époque, ça peut dépasser, et ça donne pas de très bons résultats. Essayer de voir ce qui fait agir les gens, concrètement, quelles sont les institutions, quelles sont les règles, quelles sont les pratiques, les gestes, l'organisation matérielle, les dispositifs qui vont permettre de comprendre, c'est beaucoup plus concret, plus facile à vérifier empiriquement, et beaucoup plus intéressant. Oui, parce que derrière la discussion qu'on a, bon, on n'a pas détaillé ici parce que on n'aurait pas le temps, mais en fait, c'est pas juste ta grille de lecture que tu mobilises. En fait, c'est aussi il y a de la recherche derrière, il y a des concepts derrière, il y a des publications, il y a tout un ensemble de. Enfin, on n'est pas au café du commerce, quoi. Bon, les gens de la chaîne le savent bien que ça reste un. Enfin, l'économie sceptique, c'est un espace de vulgarisation. Donc peut-être que je t'inviterai dans un prochain live pour discuter justement de la méthode de la sociologie, parce que je pense qu'aussi à ce sujet, il y a beaucoup je sais pas quel terme trouver qui soit pas trop fort, mais en même temps qui permette de dire ce que j'en pense. Enfin, il y a beaucoup de stéréotypes, on va dire ça comme ça, sur la façon dont travaillent les sociologues, et ce qui amène sans doute aussi une partie moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est pourquoi les gens refusent une information scientifique, entre guillemets. Et souvent, c'est en tout cas, dans un certain nombre de cas, c'est pour des raisons idéologiques. Ils refusent le résultat scientifique parce qu'il va à l'encontre de leurs croyances politiques. Et j'ai l'impression que la sociologie, en fait, on présente, c'est peut-être un peu café du commerce, mais c'est pas grave, mais l'économie, on la présente un peu comme une idéologie de droite, et la sociologie, ce serait un peu l'équivalent, l'idéologie de gauche, avec une espèce d'opposition entre les deux. Enfin, tu vois, malheureusement, il y a souvent ça, et c'est assez faux. Oui. C'est assez faux. Je passe du côté de l'économie que de la sociologie. Oui, c'est ça. Mais bon, ce serait sans doute l'occasion de faire un live complet à ce sujet, peut-être pour une prochaine fois. Mais en tout cas, il y a un point sur lequel je voulais réagir ou rebondir, disons, dans ce que tu disais, c'était à nouveau sur le poids des images. Et sur le fait que les images qui sont ce que tu disais, donc c'est un instrument, c'est le mécanisme, enfin disons, c'est le je sais pas quel terme utiliser exactement, mais c'est le médium par lequel les chaînes d'information communiquent. J'avais vu passer sur Twitter comme ça une photo, alors c'était une photo, c'était pas une image, mais je pense que c'est vrai aussi, parce que ça fait intervenir la perspective. On voyait des gens dans une rue qui faisaient la queue pour entrer dans un magasin, alors c'était au Danemark, et on voyait en fait les gens sous un angle, on avait l'impression qu'ils étaient les uns derrière les autres, mais très rapprochés. Alors du coup, l'image était super énervante. Et puis en fait, si tu te décalais de 90 degrés, tu voyais en fait que les gens étaient à 2 mètres les uns des autres, et qu'en fait, ils respectaient totalement les distances de sécurité, et qu'en fait, il n'y avait pas de souci. En fait, c'est une très bonne illustration visuelle de ce qu'en sociologie, on appelle le 4H. Et d'ailleurs, ça vient de là, c'est du cinéma, de la photographie. Ouais, c'est un terme qui vient du sociologue Erwin Kaufmann qui s'inspirait du cinéma et qui disait politiquement, on va cadrer les problèmes, on va soulever les problèmes d'une certaine façon. Comme tu as au cinéma, on cadrera l'image et on va pouvoir montrer des choses différentes. Effectivement, soumet à un moment donné, ça ne traitait pas autour de la question, c'est de votre responsabilité de respecter le confinement. Débrouillez-vous pour le faire comme vous voulez, ça laisse hors du cadre, hors champ, ben, tout ce qui a à voir avec l'organisation de la norme, la formulation de la règle, la façon dont elle s'applique, les alternatives qu'il peut y avoir qui ne passent pas simplement par la sanction individuelle et des choses comme ça. Donc le cadrage politique, en fait, c'est ça, c'est exactement comme un cadrage photographique qui simplement déplaçant un choix sur la perspective peut nous rendre plus facile de passer quelque chose ou pas, et plus facile de voir certaines solutions ou de ne pas les voir. Ouais, c'est comme s'il y avait une espèce de, enfin comme s'il y avait la réalité
et qu'en fait, en fonction du cadrage qu'on va prendre, oui. on va mettre l'accent sur telle partie ou telle autre partie de la réalité, oui. en fait. Et oui, c'est ça, tu m'as confronté à un problème public, c'est que l'expression est toujours attachée, les sociologues, de construction sociale des problèmes publics ou de construction des problèmes publics, ça ne veut pas dire que les savates et que, par exemple, il n'y a pas de chat, il sort tuto film et que c'est une illusion de nos sens. Non, ça veut dire que la façon dont on va recarter ce problème-là, elle est particulière, on a un point de vue, on a toujours un point de vue quelque chose, et il y a sur un objet social, sur un objet sociologique, et la façon dont un de ces points de vue va arriver à s'imposer va cadrer la façon dont on va pouvoir le traiter et peut-être laisser de côté d'autres éléments. Donc c'est toujours intéressant de revenir sur comment, et d'essayer de voir comment ces points de vue se sont construits. C'est pas le temps, c'est pas quelque chose qui va de soi, c'est le produit d'une histoire. C'est pour ça qu'il y a construction et d'essayer de voir ce qu'il nous cache, ce qu'il nous révèle et comment il se maintient, aussi, comment il s'arrive à se reproduire ou être contesté. Et du coup, alors, je retourne un peu sur la question de la responsabilité individuelle. Moi, j'ai l'impression que dès lors qu'il y a ce cadrage, du coup, comme tu dis, sur la responsabilisation individuelle et que les gens prennent le risque, ils se disent « je prends mon risque », finalement, c'est quelque chose qu'on fait dans la vie de tous les jours. Quand on prend cette voiture, on sait qu'il y a un risque de mourir d'un accident de voiture, qui est plutôt élevé d'ailleurs, que les gens ont tendance à sous-estimer, et surestimer le risque en avion, par exemple, mais peu importe. Mais du coup, ils se disent bah, « je prends ma voiture ». Bon, je prends mon risque, bah pourquoi est-ce que je ne ferais pas la même chose avec le coronavirus, quelque part enfin... Oui, on est en fait à la situation des fumeurs, dont certains vont dire, vont être parfaitement conscients du risque de fumer, mais vont pouvoir produire un discours finalement politique dessus, te dire, par exemple, d'accord, je fume, c'est mauvais pour ma santé, mais après tout, l'État l'autorise, et en plus, ils gagnent de l'argent avec moi. Ouais. Et toi, t'as là, pourquoi c'est moi qui ferai l'effort d'arrêter de fumer, alors qu'au final, j'enrichis l'État. Le fait que les chats prennent un risque ne veut pas, certainement pas dire qu'ils sont inconscientisés, ni qu'ils n'ont pas de bonnes raisons de le prendre. Mmh. Et surtout, ça ne veut pas dire qu'il suffit de leur dire, attention, ce que vous faites est mal, attention, c'est risqué, pour qu'ils s'arrêtent de le faire. Si on veut, par exemple, que les chats arrêtent de fumer, simplement leur dire c'est mal que tu fumes ou essayer de t'interdire complètement de fumer. Enfin, on sait que c'est pas très efficace. Hein. Mmh. L'interdiction du cannabis, c'est accompagné d'une augmentation de la consommation. L'autorisation du tabac, lui, d'un ralentissement et d'une décrue de la consommation de tabac. Donc, il y a d'autres façons de cadrer le problème, il y a d'autres façons de le présenter. Il y en a peut-être certaines qui sont plus efficaces que d'autres, et donc ça vaut vraiment le coup de se poser la question à quel cadre on passe ces problèmes-là, et peut-être de faire un pas de côté, de voir quel autre cadre on pourrait essayer de saisir. Oui. Et du coup, si on continue notre exercice de pas de côté par rapport au cadrage, donc on a parlé de l'aspect un peu consommation, les fils devant McDo, etc. Mais du coup, il y a aussi l'autre partie, c'est-à-dire que pour qu'il y ait des consommateurs, il faut qu'il y ait des producteurs, il faut qu'il y ait des gens qui participent à l'activité de production. Et là aussi, en fait, dans l'activité de production, tout le monde n'est pas égal, enfin, il n'y a pas forcément... une égalité entre les individus. Et pour le coup, dans cette partie plus production, ça peut avoir des conséquences sanitaires assez, assez immédiates, puisque du coup, selon l'activité, on va être plus ou moins exposé au risque du virus, en fait. Oui, on peut très, très facilement comprendre que tous les emplois ne peuvent pas, tous les postes de travail ne peuvent pas être passés au télétravail. Mmh. C'est plus facile pour les postes cadres que pour les postes d'ouvriers ou d'employés. Et donc, la capacité, le risque pour les uns et les autres n'est pas le même. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de penser que les deux sont liés, en fait, que les deux existent en relation. Si les cadres peuvent travailler à télétravail, c'est souvent parce que, alors ça n'est pas des activités, mais dans un certain nombre, c'est parce qu'il y a quand même des ouvriers de l'autre côté, qui font le travail nécessaire. Si je peux rester chez moi et continuer à vivre plus ou moins bien,
tout à télétravailler, c'est parce que ben, y a tes employés au supermarché, il y a ouais. tes employés de livraison, il y a tes chats qui vont faire tout un travail qui me permet d'exister et de te poursuivre mon activité. Donc là-dessus, il y a vraiment une question qui peut être soulevée sur le rapport qu'il existe entre les seins et les centres, et comment le travail protégé des seins est en fait à partie le produit ouais. du travail risqué des centres. Alors là, il y a plein de mots qui peuvent faire un peu peur, qu'on peut avancer, citer comme rapport social, exploitation, classe sociale, mais c'est bien une question qu'il faut poser d'une façon ou d'une autre. C'est un peu ce que... Alors, enfin, c'est un peu... En tout cas, ça m'évoque... Macron en avait parlé dans une de ses allocutions. Il parlait... Alors, la première ligne, c'était les soignants qui étaient dans les hôpitaux et qui géraient les malades, etc. Et il parlait de la deuxième ligne, qui était du coup les gens... Justement, ces métiers, en fait, qui sont des métiers... alors, je crois que c'est nécessaire, le terme qui a été utilisé, pour assurer la continuité de la nation. Enfin, je n'ai plus exactement les termes qui ont été utilisés. En disant, voilà, en fait, c'est des métiers qui sont les livreurs, comme tu dis, les chauffeurs routiers, les caissiers, enfin, tous ces métiers-là. Et il parlait de la troisième ligne pour les gens qui étaient en télétravail et qui, pour le coup, eux, leur seule exposition au virus, au final, c'est quand ils vont faire leurs courses, quoi. Oui. Et là, il y a quelque chose, justement, d'intéressant en termes de 4H, c'est qu'on sait beaucoup, énervé, excité sur les réseaux sociaux ailleurs, sur les chats qui vont par exemple faire la Joe Match Tour, on en a parlé un peu avant, mais toutes les personnes à télétravail, mais qui ont tomaté à manger sur Uber Eats et les centres, ou qui auront passé tes tomates Amazon ou tes choses comme ça, il n'y a pas eu la même indignation morale, il y a même eu des je me souviens lorsque la CGT qui est Amazon a protesté, a commencé à dire quand même on se sent un peu ridicule, on se sent un peu gêné à prendre des risques alors que ce que l'on abat et ce qu'on avoit, on voit bien que c'est pas des choses essentielles, et qui sait, je sais plus, des livres, des sextoys, des choses comme ça. Ils avaient l'impression que c'était pas des choses essentielles, mais on a beaucoup moins posé la question, et même on a eu certains éditorialistes qui ont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette CGT qui essaye de réjeter nos désirs, nos avis, nos achats, etc. Ça s'applique. Dans ce cas-là, on veut pas d'intervention extérieure, mais t'as le cas du match tour, on va être beaucoup plus ça même, te dire, non, mais quand même, ces chats, ils devraient faire attention, ils te ressemblent n'importe comment. Il y a quelque chose quand même à interroger là sur le 4H que l'on peut avoir de ces différents événements. Et du coup, alors je sais pas si t'as vu passer des choses à ce sujet, mais enfin en tout cas aux États-Unis, pour ce que je sais, la population qui meurt le plus du virus, c'est les Noirs américains, qui sont en fait les plus pauvres. Donc je pense qu'en fait la vraie donnée qui est mesurée, c'est plutôt la donnée pauvreté, enfin qui est plutôt la raison qui fait qu'ils meurent davantage, c'est parce qu'ils sont plus pauvres. Alors on sait que les pauvres en moyenne sont en moins bonne santé que les plus riches, ou les gens de classe moyenne, pour tout un tas de raisons, parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter de l'alimentation de bonne qualité, parce que il y a des pratiques qui ne sont pas les mêmes, la question du sport par exemple n'est pas la même, etc., etc. Il y a des maladies chroniques qui sont moins bien soignées. C'est ça. Des asthmes, des choses comme ça, notamment à cette situation de pauvreté importante aux États-Unis, avec le système de sécurité sociale qui est estimé, ça fait très, très rapidement des différences. Et on voyait, alors j'ai pas revérifié depuis, mais j'en avais déjà parlé dans un live avec Trank Sen, je crois, sur le fait que à Milwaukee, dans le Wisconsin, dans la ville de Milwaukee, les Noirs américains, enfin les personnes noires représentaient, je crois, 30% ou 35% des décès, alors qu'ils représentaient seulement 10% de la population. Donc il y avait vraiment une surreprésentation assez spectaculaire de ça. Et on peut imaginer que qu'il y a quelque chose de similaire en France, du coup, sur les personnes les plus pauvres, est-ce qu'elles sont plus exposées qu'au virus, en partie à cause de leur travail, enfin de leur... Je ne sais pas si tu as vu passer des choses à ce sujet. Alors, je sais qu'il y a eu ce rapport, j'arrive plus à me souvenir quel est l'officier gouvernemental qui l'a publié sur la santé, sur justement la Seine-Saint-Denis, où on trouvait effectivement une surmortalité extrêmement forte dans ce département-là.
Et dont on peut faire l'hypothèse que c'est lié à des coefficients de vie économiques qui sont différentes. Et on a, je sais plus où j'ai vu il y avait une chronique qui disait le virus ne connaît pas les classes sociales. Alors, oui. Oui, le virus, effectivement, c'est un virus, il connaît rien tout ça. Et par contre, les classes sociales continuent à exister et elles continuent à avoir une influence sur la façon dont ils se diffusent, sur les personnes qu'ils touchent, sur les soins qu'ils peuvent avoir, sur la qualité des soins, etc. Et ça va faire des différences. Et lorsque, en plus, comme aux États-Unis, la pauvreté se retrouve avec, ça s'explique en partie par un héritage ancien de l'esclavage et donc touche plus fortement les Noirs que les Blancs, et ben on se retrouve avec ce qu'on appelle du racisme systémique, du racisme qui n'a pas besoin d'avoir des personnes qui se déclarent racistes, il y en a qui se déclarent racistes aux États-Unis comme en France par ailleurs, ça existe, mais qui n'a pas besoin de ça pour avoir des effets dans la réalité. Oui, ou selon la race, entre guillemets, alors au sens américain du terme. Oui, à terme de catégorie sociale et non pas de réalité biologique. Biologiquement, on sait que les races n'existent pas, ça c'est quand même relativement consensuel. Par contre, à terme d'inégalité que produisent l'identification comme appartenant à telle ou telle troupe dessinée par sa race, oui, là, les inégalités se font bien. Et c'est ça qui s'appelle racisme systémique. Oui. Justement, parce que ce n'est pas la race qui produit la race au sens, ce qui serait une race biologique qui produit ce phénomène là, mais c'est le racisme comme un processus de séparation et de ségrégation des individus. Et comme tu disais, un processus qui s'est construit, enfin en tout cas qui a des racines historiques, ce n'est pas quelque chose qui... Qui a une histoire, une histoire qui est celle d'un héritage économique, en termes de position sociale, de richesse, etc., différent entre les populations. Oui. Est-ce qu'il y a des points que tu voudrais rajouter avant qu'on passe aux questions qui te paraissaient importants, que tu voulais... Non, non, comme ça, non. Je pense qu'on peut passer aux questions. Ça marche. OK. Parce que ça a été assez actif dans le chat. Donc, je vais faire ma petite sélection. Donc là je regarde un peu. Alors effectivement, bon, il y a quelqu'un qui dit le coiffeur est passé par là, c'est pour ça que j'ai plus la casquette. Effectivement, ma coiffeuse a réouvert lundi. Ça réouvre aussi chez moi. Alors il y a Marco S qui pose. Alors c'est une question / remarque. Au moment où on parlait des comportements de respect du confinement. Et il parlait du fait qu'il y a certaines entorses qui seront que l'entorse au confinement passe aussi par et pas la même, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont aller dans leur maison secondaire et d'autres qui vont simplement aller au parc. Oui. Et oui, il y en a pas simplement aller travailler. En fait. Oui. C'est ça. Légalement, illégalement, avec attestation ou pas. Il y a effectivement des choses qui sont plus ou moins visibles, des éloignements qui sont plus ou moins simples. Et toi, tu vas donner une visibilité médiatique plus ou moins étroite, et tout ça passe en fait par tes questions aussi de classe sociale et de choses comme ça. Oui, alors pour la question des maisons secondaires, j'ai en tête donc j'habite à Nancy, un député de Metz qui s'appelle Richard Lieuger qui est parti juste avant le confinement dans sa maison secondaire dans le sud de la France, et ça a été ça a fait une polémique, on va dire. À Metz, le fait qu'il parte en tant que député de la ville quelques jours avant, enfin on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il est parti, mais ça a généré une polémique au niveau local, on va dire, le fait qu'il parte dans sa maison secondaire. Et du coup, c'est public. Ouais, c'est ça. Puis quand il est revenu, ça en a fait une deuxième, parce que du coup on dit bah, il revient, oui, mais enfin en même temps il faut quand même que. Alors, une question de Sciences Inhumaines, est-ce que le non-respect du confinement dans les quartiers populaires, je cite, hein, il met des guillemets autour, ne vient pas en grande partie de la surreprésentation des emplois de production / services essentiels des habitants? Oui, ça toute, ça toute. Il y en a un certain nombre qui travaillent dans la santé, qui travaillent du côté des caissière de supermarché, des manutentionnaires de supermarché, de livraison, de choses comme ça. Ces activités où il est
impossible en fait de passer au télétravail et qui ont été mobilisés, ont été même le chômage partiel était pas envisageable. Oui. Leur... Et ça quand même, c'est intéressant de le noter, parce qu'on décrit facilement ces quartiers populaires comme état abandonné du reste de l'économie, comme état des personnes inutiles. Et en fait, on voit bien comment elles sont intégrées en fait, à l'économie et au fonctionnement de l'économie et de la production. Et pour aller sans doute dans le sens de la question qui est posée ou qui est soulevée par Sciences et Humaines, les deux images, enfin les deux problèmes des métros bondés lundi, alors bon, il y avait la ligne 13 et le RER B qui desservent les deux à la Seine-Saint-Denis. Alors je crois que le cas de la ligne 13, c'était causé par des problèmes spécifiques d'exploitation, donc ça n'a pas forcément à voir. Mais le RER B, on peut se dire, bah, c'est des gens qui sont dans des types d'emplois qui sont... Enfin, pour aller dans le sens de ce que tu dis, qui sont moins facilement télétravaillables que les emplois de cadre ou équivalents, quoi. Oui, clairement, il y a une différence qui se fait au niveau du type de travail. Oui. Alors, une question rapide de Marc OS. Donc, si travail au noir, il n'y a pas de chômage partiel, par définition. Oui. Puisque ça veut dire... Ouais. Il n'y a pas de structure légale, il n'y a pas d'entreprise, enfin, il n'y a pas de... Il n'y a pas de structure légale, et toi, s'ils travaillent au noir, soit ils se retrouvent sans rien, soit simplement ils sont obligés de continuer à aller travailler. Et s'ils sont contraints par un employeur qui déjà ne les a pas déclarés, ne les fait pas travailler légalement. Ouais. Donc là, on a bien une question qui est aussi celle de l'exploitation et d'un pouvoir aussi différentiel, et aussi une question de droit, de droit au sens juridique du terme. Oui. Alors là, c'est une autre. Alors, c'est plus une remarque, mais je la trouve intéressante, de J.S. Incognito qui dit on a l'impression que les chaînes d'infos continues sont poussées à accentuer certains biais dus à la pression d'obtenir une image. Il dit c'est un peu paradoxal, alors que le but initial, c'est d'informer. Oui, on poserait la question, qu'est-ce qui est formé ? Oui. Je pense que les journalistes, c'est facile quelque part, même les chercheurs ont tendance à le faire, de taper sur les journalistes et te dire, mais ils donnent une mauvaise information et des choses comme ça. Et il y avait un des premiers sociologues américains, pas exactement le premier, mais l'un des premiers, de John Chichatour, Robert Park, et justement un ancien journaliste qui s'était tourné vers la sociologie dans les années 1920-1930 approximativement, et t'as ça de ces textes qui le sociologue, c'est juste un super journaliste avec du temps, qui a le temps de travailler. Il était venu en fait à l'université, il avait trouvé la sociologie comme débouché parce qu'en fait il voulait avoir le temps de faire des enquêtes. Ça c'est un très ancien problème. Les journalistes ont peu de temps pour travailler, et leurs conditions de travail en fait sont très importantes à comprendre. Il faudrait pas simplement y voir un effet de l'idéologie ou même de la recherche effrénée à tout prix de l'OTIAS, mais vraiment des dispositifs de travail qu'on crée, le temps qu'on leur donne pour faire un reportage, le nombre de personnes qui sont à possibilité de contacter, le nombre de personnes qui peuvent faire venir, le temps qu'ils sont organiser un TEPA, faire venir tes spécialistes et tes experts qui vont avoir une explication un peu longue, un peu compliquée. C'est pas simplement que ça fait moins d'OTIAS, c'est aussi que c'est plus compliqué et que c'est plus long à mettre à place que simplement trouver tes images. Et les chaînes d'information continuent, ce point de vue-là, c'est que l'information, justement, continue. Il faut nourrir la machine en permanence. Il faut de l'image, il faut quelque chose à mettre. Donc, c'est cette condition de travail là aussi qu'il faut tenir compte. Mais c'est vrai aussi pour les journaux. Enfin, moi, il y a quelques années, j'avais visité l'Est Républicain, qui est du coup un grand quotidien régional dont le siège est à Nancy. On discutait avec un des journalistes il avait un rôle un petit peu de manager dans le journal. Et en fait, il nous expliquait. Moi, j'ai découvert ça à ce moment-là. Et je me dis que ça pourrait peut-être être intéressant de l'inviter à un moment donné pour un prochain live, mais de nous dire, voilà, si le journal, donc, il est imprimé à Nancy, mais il est diffusé jusqu'à Vesoul, enfin jusqu'à Besançon, donc qui sont quand même à 200-300 km. Donc si on veut qu'il soit disponible à 6h du matin dans les boulangeries, par exemple, il faut qu'il soit livré à 5h40 à la boulangerie. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il soit à 5h
au centre de dispatch logistique. Donc il faut qu'ils partent de chez nous à telle heure, etc. Et en fait, ils avaient des deadlines comme ça, mais qui sont vraiment impératives. Donc à 22h, alors je dis n'importe quoi, à 22h15, il faut que l'édition de Besançon, elle soit bouclée. Et donc si à 22h15, l'article n'est pas terminé, il n'y a pas d'article en fait. Et moi, j'ai vraiment réalisé ce jour-là que, et ça fait complètement écho à ce que tu dis, que les médias ont cette obligation quelque part, due à leur format et à leur manière d'informer en temps réel quelque part, entre guillemets, qu'ils obligent à aller au plus simple, entre guillemets aussi. Et donc, c'est inviter tout le temps les mêmes personnes. Hein, ça, je pense que c'est l'explication. Tout le temps les mêmes experts entre guillemets de plateau télé, enfin voilà. Et donc c'est des choses qui sont, comme tu dis, qui sont décidées par personne. C'est juste intrinsèquement la manière dont fonctionne cette activité. Elle nécessite de travailler très rapidement. Oui. Et du coup, là, on peut aussi se retourner vers s'interroger sur le côté demain. C'est-à-dire, si les gens de la formation continue existent, c'est aussi parce qu'on veut que la formation continue. Et qu'on ne veut pas se contenter, d'atteindre les journalistes et le temps de travailler. Il faut aussi s'interroger sur nos façons de consommer de la formation. C'est tout matière. C'est le sociologue Howard Pager qui parle de, alors il parle pour l'art, mais il dit une œuvre d'art, c'est jamais le produit simplement du producteur, c'est le produit aussi de son public qui est disposé à l'écouter, qui doit être préparé à atteindre une certaine forme. La formation, c'est un peu pareil. D'ailleurs, il reprend ce chat dans un autre texte sur les sciences sociales, c'est un peu pareil. Il faut qu'il y ait un public, il faut qu'il y ait tout un dispositif qui permet ou ne permet pas certaines formes d'expression et d'autres. Quelque part, on fait ça tout. Si on voit un problème là-dessus, il faut peut-être qu'on se dise, ben, on fait un peu partie du problème, nous. Oui, c'est ça. Enfin, moi, j'ai en tête le cas des informations positives. Tu sais, l'idée de ne de pas mettre, de pas mettre voilà, je sais pas quoi, les chiens écrasés, enfin, des choses toujours un peu négatives. Et en fait, les médias d'information positive, ça ne marche pas. Il n'y a pas d'audience, en fait. Ou en tout cas, il n'y a pas suffisamment d'audience pour que ce soit une activité qui soit rentable économiquement. Donc Oui. c'est. Oui. Alors il y a macOS. Alors là, du coup, c'est peut-être moi qui vais répondre parce que j'ai l'information qui revient sur le cas de la Suède. Il disait, il me semblait que les chiffres suédois étaient pas si bons. Alors en toute hypothèse, enfin si on contrôle par la taille de la population, donc on prend le nombre de décès pour 100 000 habitants, effectivement la Suède, je crois, c'est vraiment pas dans une très bonne, c'est vraiment pas dans une très bonne situation. Mais enfin, il me semble que pour l'instant, ils sont pas non plus complètement en dehors de certains pays qui ont appliqué un confinement, en fait. Donc, est-ce que la situation suédoise est causée par la stratégie de non-confinement, ou en tout cas de confinement volontaire, parce que dans les faits, il y a quand même un confinement, c'est-à-dire que les gens vont quand même moins dehors, etc. Mais c'est de leur responsabilité, enfin, c'est de leur responsabilité individuelle. Disons que c'est eux qui décident de ne pas le faire. Donc, est-ce que c'est lié à un confinement qui serait plus léger? Est-ce que c'est lié simplement à des caractéristiques sociodémographiques différentes? Parce qu'on sait que, il y a quelques jours, il y a une étude qui est sortie qui montre qu'en gros, le principal prédicteur du décès, de la probabilité de décéder, c'est l'âge, en fait. Les comorbidités ne jouent pas un rôle très important, c'est vraiment l'âge. Et plus vous êtes âgé à partir de 50 ans, ça commence dès 50 ans, à chaque décennie, il y a vraiment une augmentation substantielle de la probabilité de mourir du virus. Donc selon les organisations sociales, donc par exemple en Italie, on peut imaginer où les gens ont tendance à vivre, où les générations vivent ensemble plus que dans d'autres pays, on peut imaginer qu'en fait les gens sont plus décédés parce qu'en fait les gens, je sais pas, les jeunes entre guillemets, ont en fait plus facilement contaminé les personnes âgées. Ouais. Voilà, donc je pense qu'il faut rester prudent sur pourquoi les chiffres sont pas bons. Enfin, je dis ça pour la chatroom, hein. Il faudra faire les études aussi à ce sujet d'un point de vue statistique, quoi. Voilà, il faudra du temps pour la Ouais. formation, c'est ce qui manque souvent aux journalistes. Oui, c'est ça. Et comme tu disais, à la fois enfin, les sociologues, mais les chercheurs de manière générale, eux ont ce temps-là. Mais Oui, ça y Ouais. est. Parfois difficile. Mais du coup, le côté, le prix à payer pour ça, c'est que quand on a la réponse, pas forcément au moment où on aurait aimé l'avoir, en fait. Donc je retourne dans la chatroom. Alors il y a nouveau macOS qui rebondit sur pourquoi est-ce qu'on a focalisé sur McDo, Zara, Hermès. Moi j'ai vu, alors
Enfin, je sais pas si je l'ai vu, mais j'ai aussi vu passer des choses à propos de Starbucks en disant, mais pourquoi les gens ils vont acheter du café hors de prix alors qu'ils peuvent en faire à la maison? Alors que pareil, on ne sait pas pourquoi les gens vont. Peut-être qu'ils vont pas chez Starbucks pour le café, peut-être qu'ils vont chez Starbucks pour d'autres raisons. Et dit voilà, donc il dit c'est des points de repère de tout un chacun, c'est-à-dire que tout le monde connaît McDo, Zara, Hermès, etc. Et du coup, dans la narration, c'est quelque chose, c'est un espèce de point focal en fait. C'est très facile du coup de construire une histoire autour de ça, quoi. Oui, c'était Sobchak qui sautait chat moraux, qui sautait chat marqué moralement par tes tistours critiques parfois extrêmement virulents. Starbucks, en plus, ils payent pas leur sapo à phrase, ce genre de choses. Donc, c'est beaucoup plus facile de s'y raccrocher que peut-être simplement les personnes qui ne respectent pas, n'ont pas respecté ou ne respectaient pas le confinement en allant faire une balade dans le quartier. Et ça qui est finalement forcément de grosses différences. Ou des choses comme ça. Moi, je passe chassène à ce lycée. On a eu des retours sur des élèves qui ont été arrêtés parce que, en fait, ils s'étaient sortis pour aller voir leur copine ou pour aller voir leur copain. Bon, Ouais. c'est voilà. Il y a plein de raisons, en fait. Chacun avait en fait sa propre rationalité, aura sa propre rationalité de ne pas respecter le confinement. Simplement, le cadre comme une question morale, c'est limité. Il faut essayer peut-être de comprendre ce qui fait que l'on va plutôt, qu'on va respecter ou pas. Ça nous donnera peut-être de meilleurs moyens d'action que simplement, si on en reste à la question purement c'est bien ou c'est pas bien, et les chats qui ne respectent pas le confinement, c'est parce qu'ils sont méchants. La seule solution qu'on a, c'est la sanction. Et c'est pas dit que ça soit la plus efficace. Et en tout cas, certainement pas la moins coûteuse, puisque ça implique d'avoir des policiers en permanence dehors qui surveillent et qui prennent du tout eux aussi des risques pour leur santé. Oui, c'est ça. Sans compter aussi les coûts politiques de vouloir fliquer la population. Enfin, on voit bien Oui, dans on voit. la confiance que. Alors bon, c'est un problème qui est plus profond, mais qui est plus ancien, mais la confiance des Français envers les institutions politiques, elle est pas très bonne, de manière générale. Et en particulier en ce moment, on voit qu'elle ne s'améliore pas, quoi. Donc la réponse qu'on va apporter peut faire empirer aussi des problèmes qui sont déjà préexistants. Oui, et en plus, le problème peut aussi t'étouler du fait que l'on fait t'échappe pas pour toute confiance aux institutions. Donc, voilà, c'est un cercle vicieux. Oui, c'est ça, ce qui C'est sent. utile de se poser la question des autres moyens. Et donc, des autres restes. Commencer par bien établir un constat, essayer de comprendre ce qui fait que les gens respectent. Donc, ça nécessite des synthèses, ça nécessite du travail sociologique. Et ça fait un écho. Alors, je dis juste ça pour faire une petite promotion, mais on en avait parlé dans le live avec Trang Sen, qui du coup est étudiant en sociologie. On avait aussi abordé la question de la rationalité, en fait, où du coup il y avait donc lui plutôt l'aspect sociologie et moi plutôt l'aspect économie. Et du coup, c'était un des éléments de la discussion de dire, avant de porter un jugement quel qu'il soit, il y a une étape sans doute. Alors, je ne sais pas si c'est une étape qui est nécessaire, mais en tout cas, on peut mettre une étape avant, qui est une étape de comprendre ce qui se passe, avant de juger nécessairement. Et je trouve que c'est une manière de présenter les choses qui est quand même assez parlante, de dire, voilà, on va d'abord essayer de comprendre, parce que plutôt que de commencer tout de suite par le jugement de valeur, en fait, et d'en faire l'alpha et l'oméga de l'explication. Parce qu'en fait, comme le dit le sociologue Bernard Lahire, justement, sont deux activités différentes, comprendre et juger. Juger, ça relève du tribunal, du juge, et en fait, ça relève du politique. Ce qu'il y a de plus, pas simplement le juge, voilà, l'institution judiciaire, mais aussi le politique. L'activité politique, c'est produire du jugement, dire ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, la direction qu'on veut prendre, etc. Et l'activité scientifique, elle se fait dans le laboratoire. Donc, c'est un lieu où, justement, on n'est pas censé juger et produire un jugement. Les deux doivent être assez séparés, ça vaut toujours le coup. L'une n'est pas réductible à l'autre. C'est-à-dire, si on essaye d'utiliser, de remplacer le jugement par la science, ça va pas marcher. On a besoin de juger à un moment donné. On a besoin de faire de la politique. Et la politique, la science ne gagne pas de grand-chose généralement à essayer de se substituer aux politiques. Par contre, il y a un intérêt à ce que, avant de porter un jugement politique, on essaye déjà de comprendre ce qui se passe. Et pour ça, la science, la sociologie, l'économie, l'anthropologie, ce qu'on veut, plein d'autres, sont quand même très, très utiles. Oui, c'est l'idée que pour utiliser des termes d'économiste, en fait, alors non, c'est pas exactement des termes d'économiste au final, mais l'idée que dans les sciences, il y a des arguments
il y a une hiérarchie objective des arguments entre ceux qui sont fondés, enfin ceux qu'on arrive à valider empiriquement, disons, quelle que soit la méthode de validation empirique, et puis les autres. Alors qu'en fait, dans le champ politique ou dans le champ du jugement, il n'y a pas de tu peux dire, comment dire, enfin, en fait, ça fait appel à un peu à l'épistémologie, un peu à la Popper, en disant, tu peux montrer que certains arguments sont faux, tu peux dire, voilà, certains énoncés sont faux, en montrant qu'empiriquement, en fait, ils correspondent pas à ce qu'on observe, etc. Mais tu peux pas faire ça dans le champ des, dans le champ des, du jugement. Tu peux pas dire un jugement est faux. Tu peux dire, je suis pas d'accord avec ce jugement, mais tu peux pas dire qu'il est faux. Et on peut avoir tout pas une raison intéressante, très rationnelle, et c'est pas du tout, il faudrait pas faire une petite section, c'est la raison, la science et la passion, le politique. La politique peut être une activité très rationnelle, très réfléchie, avec des débats, et mais qui a ses propres règles, d'édition. Et surtout, ça veut pas dire que de l'autre côté, ce qu'on fait avec la science n'est pas du tout politique. Les sujets qu'on choisit de traiter, la façon dont on décide de les retarder, la façon dont on pose les questions, tout ça a des conséquences politiques et des choses politiques. Par contre, ce que la science ne peut pas faire, c'est établir la norme. Ouais. Moi, j'aime dire que la sociologie, mais toute science, en fait, est politique. C'est-à-dire, elle a des choses politiques, on s'y intéresse pour des raisons politiques, elle a des conséquences politiques sur ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Par contre, elle peut pas dire quelle est la norme, elle ne peut pas répondre à la question « que doit-on faire ?» Elle peut éventuellement nous permettre de savoir ce qu'on ne veut pas faire, c'est-à-dire quelles sont les solutions qui ne marchent pas, et elle peut nous renseigner sur ce que l'on voudrait faire à partir du moment où on adopte tel ou tel objectif. Ouais. C'est une remarque, c'est Weber qui dit ça, Max Weber qui dit que la science ne peut pas apprendre à quelque chose ce qu'il doit faire, mais seulement ce qu'il peut faire et peut-être ce qu'il veut faire. Ouais. Il faut avoir un objectif. À partir de là, on peut se tourner vers la science pour se dire, oui, en fait, si je suis arrivé au point B, ben, il faut que je passe par telle et telle étape. Alors c'est fascinant ce que tu dis. Enfin, moi j'écoute ça religieusement, sans mauvais jeu de mots, mais parce qu'en fait, c'est exactement l'attitude des économistes. Et je mets le doigt là-dessus pour dire, pour répondre un peu, alors on en parlait un peu plus tôt dans l'émission, en faisant cette, où il y a cette espèce d'opposition un peu stérile, où on met d'un côté les économistes, de l'autre les sociologues, en disant, voilà, il y a ceux de droite et il y a ceux de gauche. Mais en fait, ce que tu viens de dire, du point de vue d'un sociologue, moi je suis économiste, je peux dire, enfin, je dis exactement la même chose. Et les gens qui me suivent depuis un certain nombre d'années sur l'économiste sceptique ou avant, savent que c'est exactement l'attitude que je défends, et en fait c'est pas l'attitude que je défends moi à titre individuel, c'est en fait l'attitude des économistes, où on dit voilà, nous notre objectif c'est pas de dire ce qu'il faut, mais c'est d'expliquer en fait qu'est-ce qui est réalisable d'un point de vue économique, si on a ces objectifs là, et c'est tout en fait. Après le choix politique, parce que finalement quand on fait un choix politique, on choisit entre des gagnants et des perdants. Quel que soit le choix politique, même ne pas choisir, c'est un choix, et du coup, ça implique qu'il y a des gens qui vont gagner, des gens qui vont perdre. Et en fait, pondérer les gains des gagnants et les pertes des perdants, bah, ça suppose de faire un jugement de valeur, en fait, quelque part. Et ça, je crois, et je te rejoins entièrement à ce sujet, je crois que ça n'est pas le rôle du scientifique, qu'il soit sociologue, économiste, ou même voilà, biologiste, ou quoi que ce soit, ça n'est pas au scientifique de faire ce choix-là, en fait. Il n'a pas à se substituer aux politiques pour décider de qui sera les gagnants et qui seront les perdants, en fait, Ou en tout cas, s'il le fait, s'il décide de le faire, il s'engage, ce qui est parfaitement, moi, de mon point de vue, il n'y a pas de problème à ce que les scientifiques, économistes, sociologues ou autres s'engagent, prennent des options politiques à partir du moment où c'est clair que ceux qui le font, et qui est des formes d'attachement. Qu'un économiste ou un sociologue se dise, voilà, j'ai travaillé sur telle question, j'ai telle valeur, donc je peux les défendre et à plus apporter une expertise, j'ai pas de problème avec ça, du moment que c'est fait clairement, en fait, qu'il n'y a pas de solution, que les scientifiques s'attachent, après tout, pourquoi pas, plein d'autres professeurs s'attachent, c'est pas très simple de leur interdire par principe. Ouais. Par contre, faut être honnête sur ce que l'on fait, sur les choix que l'on fait, y compris les choix politiques. Ouais. Alors là, c'est intéressant parce que pour le coup, je pense que les économistes régulent ça un peu différemment, puisque j'ai l'impression que c'est beaucoup moins accepté dans la profession, même si c'est explicité, de s'engager politiquement, parce que ça jette un... Enfin, en tout cas, c'est comme ça que c'est perçu et c'est comme ça que les économistes régulent. Dès lors que tu t'engages, en tout cas, sur un thème qui est proche de tes thèmes de recherche, on va considérer que tes travaux de recherche, où en fait, tu as en permanence plein de micro-décisions à prendre, que tu ne mets pas dans les papiers, que tu ne mets pas dans les livres, parce qu'en fait, c'est beaucoup trop... ce serait imbuvable d'en parler. Du coup, tu les documentes pas, et en fait, on dit, mais qu'est-ce qui me dit que
même inconsciemment, hein, finalement, Thomas Piketty, par exemple, il ne ferait pas les choix de modélisation économétrique qui vont dans le sens de son engagement politique. Et du coup, les économistes, de ce que je comprends, sont, enfin, en tout cas, c'est comme ça que mon entourage, de manière enfin, de manière assez étendue, réagit à l'engagement politique, c'est de mettre sur le côté, en fait, les économistes qui sont engagés politiquement, même s'ils l'assument publiquement. Et c'est pas tant pour dire, ils font forcément, il y a forcément des biais dans leurs publications. C'est plutôt de dire, en fait, il y a déjà tellement de publications qui sont faites chaque année, je peux faire sans eux, quelque part. Alors après, évidemment, il y a un continuum, hein, c'est pas, tout le monde ne pense pas la même chose. Moi, j'ai entendu des collègues dire de façon assez drastique tout ce que fait maintenant Thomas Piketty depuis qu'il a fait campagne pour Benoît Hamon et qu'il est un peu actif médiatiquement. Je ne regarde plus ce qu'il fait. Ils disent pas qu'il y a des biais, ils disent pas c'est voilà. Et là, c'est un point aussi que. Oui, il y a tellement de théories de l'information qui sont différentes là-dessus. Il faudrait faire une histoire des sciences pour le coup, des sciences économiques et Ouais. de la sociologie. Intuitivement, je me demande s'il n'y a pas des questions s'il n'y a pas chez les économistes d'autres formes d'attachement, notamment au travers de l'expertise, du fait de rendre des rapports plus techniques, qui finalement satisfont à l'idée qu'on fait une science utile et qui sert la société. Les sociologues ont justifié, peut-être les historiens aussi ont justifié leur utilité par des formes d'attachement vis-à-vis d'un public un peu différent. Là, il y aurait vraiment, je ne suis pas suffisamment spécialiste d'histoire. L'histoire de la sociologie, ça va à peu près. L'histoire de l'économie, j'ai de trate. L'histoire de l'économie, j'ai de En plus, la profession d'économiste, j'ai de grandes lignes, mais je ne voudrais pas m'attacher plus là-dessus. Mais à mon avis, il faudrait poser la question à ce niveau-là. Non, je pense que c'est une très bonne hypothèse en fait, parce que c'est vrai qu'il y a tout un bestiaire professionnel, je dis pas ça de manière négative, c'est juste le terme qui me vient, des économistes justement à la Banque de France, au FMI, à la Banque mondiale, auprès de l'État, etc., enfin de l'État ou des institutions internationales, dans la Commission européenne, enfin, où les économistes ont vraiment, même au niveau des collectivités locales en fait. J'en parle assez régulièrement sur le fait que, bon, à Nancy, à la métropole, il y a beaucoup, beaucoup d'économistes, enfin des docteurs en économie, ce qui est peut-être étonnant à la base, et puis finalement, voilà, ils sont quand même présents aussi. Où il y a vraiment, enfin, pour en connaître un certain nombre des économistes de la métropole, ils assument ce côté totalement de, voilà, j'ai des compétences techniques que je mets au service de la décision publique. Donc effectivement, je pense que c'est une très, très bonne hypothèse dans ce que tu soulèves. Pour être. Après, il y a des sociaux qui font ça aussi, qui travaillent pour l'État, tes collectivités, tes administrations, tes entreprises. Voilà. Il y a aussi, je pense, des choses Ouais. historiques qu'il faudrait vraiment s'y pencher profondément. Ouais. Alors je retourne dans la chatroom parce que je vois que ça commence à se faire. Les gens sont très actifs. Donc on va sans doute pas pouvoir répondre à tout, hein, mais je vais faire un petit peu des sélections. Alors bon, il y a des remarques sur les différences entre économie et sociologie qui font un peu écho à la discussion qu'on venait d'avoir. Quelqu'un, c'est BF qui dit, au moment où je disais qu'il y avait cette opposition un peu stérile entre les deux, tout au début, qui parlait que, il disait en fait, ce sont surtout la différence entre la sociologie, la méthode et l'économie. Je cite, ce sont surtout des méthodologies et des objets différents. Donc en fait, c'est plus des choses. Enfin. C'est plus complémentaire finalement qu'une opposition sur la manière de voir le monde. Oui, de toute façon, c'est la différence. Différence, c'est surtout, c'est pas la manière de voir le monde, je dirais, c'est la manière, parce que finalement, on a des outils, les sociologues font des statistiques, les économistes aussi. Alors, les économistes font moins d'enquêtes de terrain, moins d'ethnographie, moins d'entretien. Donc là, il y a une différence. Je pense que c'est surtout une différence à la façon dont on envisage l'objet. De façon intuitive, j'ai l'impression que les économistes essayent de construire des propositions qui ont un très très haut niveau de généralité, donc ils soient ahistoriques, qui soient à dehors, donc ils prennent leur objet comme à dehors de contexte socio-économique. Ils créent un modèle. Un modèle du marché, pour faire simple, avec plein de variations et de raffinement, évidemment. Les sociologues, lorsqu'ils s'apportent, par exemple, la question, ils s'apportent pas la question du marché, ils s'apportent des marchés concrets. C'est utile, des marchés, à telle époque, à tel contexte, à tel point. Ça n'empêche pas d'avoir
des notions qui sont cumulatives, mais ça passe pas par extraire un modèle qui serait unique et valable partout pour tous les marchés. Donc ça, c'est une démarche qui épistémologiquement assez différente. Voilà. Il y aurait beaucoup à creuser là-dessus, mais on va y passer la nuit sinon. C'est ça. Mais sur l'histoire de la discipline aussi, enfin, elles ont des histoires qui sont pas les mêmes, et du coup, la construction historique est pas la même non plus, quoi. Ok, donc je retourne dans la chatroom. Ah, du coup, alors c'est peut-être plus une remarque, on n'est pas obligé de la commenter, mais qui va un peu dans le sens là. Donc Papa MG qui dit Bourdieu soulignait que les hypothèses de type offre de travail croissante avec le prix est valable pour un système de normes bien spécifiques mais invalide pour certaines cultures. Moi je pense, alors en tout cas, disons, je vais répondre du côté de l'économiste. Bon, l'hypothèse offre de travail croissante avec le prix. Bon, on sait aujourd'hui que le marché du travail fonctionne de manière très imparfaite, puisqu'il y a ce qu'on appelle les frictions, qui expliquent en fait une grande partie du chômage, enfin qui expliquent tout un ensemble d'inefficacités sur le marché du travail. Donc un modèle d'offre et de demande classique pour expliquer les variations, pour expliquer le marché du travail, bon, ça fait au moins 20 ou 30 ans qu'on n'utilise plus tellement ça, en fait, au moins dans la littérature scientifique, et on y vient aussi dans ce qui est enseignement, etc. Parce que c'est vraiment beaucoup trop simpliste, et puis surtout, enfin, c'est une chose de dire on a un modèle qui est simple et qui du coup met de côté tout un ensemble de raffinements, un peu comme tu disais tout à l'heure sur le modèle de l'offre et de la demande, mais dont le cœur est quand même relativement proche, en tout cas les résultats les plus importants sont proches quand même des phénomènes qu'on observe, et d'avoir un modèle qui est certes simple, mais qui est en fait complètement faux, mais qui passe à côté en fait des principaux. Pour un économiste, on parlerait des faits stylisés, qui sont en fait les principales régularités entre guillemets qu'on essaierait d'expliquer. Si ton modèle simple il répond pas du tout à ça, c'est pas un bon modèle en fait. Bon, si ton modèle simple il répond, même s'il met de côté tout un ensemble de choses un peu spécifiques, c'est pas trop grave. Après, de dire que les hypothèses sont valables pour un système de normes bien spécifiques, en fait, et du coup invalides pour certaines cultures, justement, tout l'enjeu, et ça rejoint un peu ce que tu disais, Denis, juste avant, tout l'enjeu d'un bon modèle en économie, c'est justement de faire en sorte que le modèle soit résistant aux différences culturelles, en fait. C'est d'essayer de trouver, du coup, les invariants, si tant est que ça existe. Alors, je fais une grosse caricature, parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus subtil que ça dans la réalité, mais c'est vraiment d'aller chercher qu'est-ce qu'il y aurait de commun dans les comportements, justement, indépendamment des cultures. Et on arrive à en trouver, il y a des effets qu'on sait qui sont indépendants des cultures. Et alors, moi, ce que j'appelle les comportements de marché, qui sont en fait des comportements de réaction à la rareté, ce sont des comportements qui sont indépendants, dans une certaine mesure, des normes culturelles. Ça ne veut pas dire que les normes culturelles n'ont pas d'influence, évidemment, sur ces comportements-là, mais simplement, on va justement chercher le modèle qui va faire, enfin, dont les résultats vont être indépendants. Mais bon, voilà, après, je ne sais pas si toi, tu veux ajouter quelque chose à ce sujet ou... Non, ce que tu sais pour sûr, je vois le type de texte où il a écrit ça, c'est que en fait certaines des notions et des comportements économiques qui nous sapent d'une façon générale naturelle, en fait, sont assez spécifiques. Et simplement par être ça, le comportement d'épargne avisé de réinvestissement de l'activité économique, ils sont assez spécifiques. Après, voilà, les différences culturelles, elles sont aujourd'hui, avec la mondialisation, elles sont quand même moins fortes qu'auparavant. Et c'est toujours pareil, moi je préfère plutôt parler de culture à revenir à des choses sur les institutions, les pratiques et les situations que je traite. C'est pour ça que, à bon sociologue, si je souhaite étudier le marché du travail, j'irai voir les marchés du travail tels qu'ils, d'ailleurs, fonctionnent peut-être pas comme des marchés, ça serait toute une question, mais d'aller voir concrètement comment ça se passe sur le terrain. Je pense, s'il y a une différence de méthode, c'est ça aussi, c'est que les sociologues, ils vont avoir vite aller étudier le marché des fraises à Sologne et comment ça se passe précisément. Étudier le marché des fraises mondial, ils vont pas faire ça comme ça. Ou alors, s'ils le font, ils vont le faire en suivant la circulation des fraises au niveau mondial. Et en fait, c'est un type d'achat qui est très différent. Un type de travail qui est différent de ce que font les économistes. Oui, c'est ça. Ou l'économiste, il va regarder la variation des quantités, des prix, enfin, bon, les choses que font les économistes. Et on voit bien dans la discussion qu'en fait, il n'y a pas d'opposition de principe, en tout cas méthodologiquement, entre les deux approches, en fait. C'est simplement le fait.
En fait, ce sont des choses qui sont assez différentes. Oui, c'est ça. Et moi, en termes de... Donc, j'ai plutôt travaillé à sociologie, j'ai fait ma thèse sur de la sociologie économique, si c'est maths et marché du travail, justement. Le principe qui m'intéressait, qui continue à m'intéresser, c'est à ce que font les sociologues, la sociologie, l'économie, la sociologie des marchés, des choses comme ça. C'est ce qui m'intéresse, c'est qu'ils passent pas leur temps. En fait, ça se fait plus trop, mais à une époque, ça s'est fait. Certains sociologues essayaient de montrer qu'en fait, les économistes avaient tort et que leurs hypothèses étaient irréalistes et des choses comme ça. Ça tourne très vite. Vite, en fait, je préfère la sociologie économique qui fait ce qu'elle fait bien et qui ne passe pas son temps à se dire, mais est-ce que je le fais mieux que les économistes? On fait des choses assez différentes, on a tes métiers assez différents, tes objectifs assez différents. Quand on peut discuter, t'as mieux. Mais il faut pas que, voilà, l'interdisciplinarité, le dialogue disciplinaire pour le dialogue disciplinaire, l'interdisciplinarité pour l'interdisciplinarité, ça a quelque chose de limité. Ouais. Mais ça, tu peux au travail. Oui, ouais, je suis assez d'accord à ce sujet. Alors, c'est un truc qui revient souvent. Alors, je ne sais pas si c'est dit avec... si c'est la question c'est un peu un troll ou si elle est vraiment sincère, mais c'est un élément de langage. Enfin, je ne devrais pas parler comme ça parce que l'élément de langage, c'est vraiment un truc politique, mais en tout cas, c'est un discours qu'on entend assez souvent de dire... ce sont les mêmes qui condamnent les fils au McDo et qui commandent chez Amazon. Enfin, tu vois, de faire des espèces de montrer des espèces d'hypocrisie ou d'incohérence des comportements, alors qu'en fait, on n'en sait rien au final. Oui, on ne sait pas. Et à la rigueur, voilà, même si ce n'est pas les mêmes, même si ce sont des personnes qui sont différentes, à la rigueur, est-ce que ça, la critique d'un côté ou de l'autre, peut être traité à tes pattes à main de savoir si c'est les mêmes personnes. Justement, une des choses qui me semble intéressante quand on s'intéresse à la sociologie de la consommation, toi tu as plutôt travaillé sur la sociologie de la consommation des pauvres, c'est qu'on sera tous que les pauvres sont des consommateurs comme les autres et qui ne sont pas de spécificité. Et qu'ils n'ont pas du tout, il y a un tas qui soit plus vertueux que les autres ou les juger parce qu'ils seraient moins vertueux, c'est pas une bonne stratégie. Mmh. Est-ce que pour émettre une critique, on a besoin d'être soi-même entièrement vertueux? Pas forcément. Et est-ce que la critique était amorcée parce que soi-même on a un comportement qui n'est pas vertueux? Voilà, c'est des choses qu'on va se renvoyer à soi, mais sur le plan scientifique, alors si on peut montrer par une attaque qu'il y a une incohérence, qu'effectivement ce sont les mêmes personnes, moi ça m'intéresserait, et ça m'intéresserait en fait moins sociologiquement, pour pouvoir dire, ah, vous voyez, vous avez tort de leur faire cette critique parce que vous-même faites ça, que les gens arrivent à mettre à cohérence des positions qui sont cohérentes, il y a des stratégies pour ça, et des choses comme ça, ça existe, hein. On a de très belles enquêtes, par exemple, sur le travail domestique, entre sur tes sommes qui vont déclarer, oui, moi, je suis pour l'égalité, t'as le partage des tâches, et en fait, on voit la réalité qui n'est pas du tout égalitaire, et donc, on peut à étudier alors quelles sont les stratégies, les modes de justification, les façons de passer, etc., qui permettent cette écœurasse-là. Si c'est juste pour dire, vous avez tort... c'est pas très intéressant. Ouais. Ça relève pas du travail sociologique. Ouais. On n'a pas besoin de sociologue pour dire... C'est une question de Viper que je trouve intéressante, qui parle... donc c'est au moment où on expliquait que il y avait du coup les... Enfin, où tu expliquais qu'il y avait que les personnes qui continuaient à travailler pendant le confinement, donc il y avait la fameuse deuxième ligne de Macron, là, donc les livreurs, etc., en disant qu'ils produisaient des services essentiels. Donc, ce que dit Viper, je cite, d'un autre côté, les personnes qui sont en télétravail peuvent aussi permettre aux autres de travailler, qu'ils soient sur place en télétravail, et je pense à l'informatique notamment. Et je pense que c'est un peu aussi une espèce de, pas de cliché, mais de stéréotype en disant... que c'est pas parce qu'on fait pas enfin c'est pas parce qu'on n'a pas un travail comment enfin je sais pas comment expliquer ça mais enfin peut-être que tu peux le faire enfin je sais pas si tu veux déjà réagir à cette chose là si ben, le travail d'une personne en fait c'est toujours quelque chose de collectif, tu vois. On est inséré dans tes organisations de travail, y compris les saletés patates d'ailleurs,
propre au crâne de sa entreprise. Donc oui, le travail Tesla est évidemment produit par celui Tessentre, les deux s'alimentent. Donc oui, le télétravail Tesla implique qu'on ait les dispositifs informatiques et qu'on ait plein d'autres éléments qui le rendent possible. Ouais, c'est-à-dire que fondamentalement, alors là, je vais reprendre un peu ma casquette de vulgarisateur qui aime bien les grands récits, un peu, voilà. Mais fondamentalement, les humains, c'est une espèce, d'un point de vue biologique, c'est une espèce sociale, en fait. Donc, on fait pas les choses les uns indépendamment des autres. Et on voit d'ailleurs qu'aujourd'hui, que le déconfinement a lieu, les gens essaient de trouver des moyens de se revoir, en fait, de repasser du temps ensemble. Donc, ça fait, enfin. Et du coup, d'un point de vue peut-être un peu plus technique ou d'un point de vue modélisation, ça peut être compliqué puisque c'est un système qui est en interdépendance permanente. Alors du coup, pour isoler des relations causales, c'est pas forcément évident parce que du coup, il y a des boucles de rétroaction un peu partout. Mais je trouve ça vraiment important de jamais perdre de ça en vue que c'est un système en fait qui avec des interconnexions dans tous les sens. Et effectivement, le cadre informatique qui est chez lui en télétravail, s'il n'a pas le livreur pour sa nourriture, bah, il ne peut pas manger. Mais peut-être que le livreur, s'il n'y a pas le cadre informatique, il n'a pas l'application pour faire les commandes. Enfin, donc, oui, il y a des formes d'interpétatas. C'est ça. Alors, Daska qui demande « Que penser des grandes déclarations d'amour aux emplois entre guillemets essentiels de première ligne sans qui la société ne tiendrait pas debout ?» Déclaration d'opportunisme politique ou plutôt annonceur de changements sociaux à venir. Est-ce que tu as une... Le sociologue ne devrait pas se risquer, l'économiste non plus d'ailleurs, à faire de la prospective. Donc, je ne sais pas, peut-être. Ouais. On peut l'espérer si on souhaite l'espérer. Personnellement, je l'espère. Après, je suis un pessimiste de nature. Donc, je ne suis pas persuadé. Mais voilà, sociologiquement, j'ai rien à dire et on peut pas savoir. Ça va être des questions, on a beaucoup fantasmé sur le monde d'après, pendant ce confinement, avec tes projets politiques et tes espérances assez contradictoires. Tout ne pourra pas être réalisé. Ça va être un enjeu de lutte, un enjeu de mouvements sociaux. Ce serait très simple plus tard d'essayer de faire de la prospective dessus. Oui. À plusieurs reprises, je me suis un peu plus engagé sur le terrain-là. Moi, je pense qu'il y aura des changements qui auront. Alors, une fois de plus, c'est de la pure prospective. Donc, j'ai aucune preuve que ce que je dis sera vrai ou pas. Mais mon intuition, disons, c'est qu'il y aura sans doute des changements, mais qui seront pas les. Il y aura pas de changements majeurs. Je pense qu'il y aura des changements sur des sujets, sur des thèmes. Enfin, par exemple, le télétravail. Je pense que le télétravail, il y aura un avant et un après. Enfin, le recours au télétravail. Je pense qu'il y aura vraiment un avant et un après. Et je pense qu'il faudrait plutôt se poser pas la question de est-ce qu'il y aura un changement ou des changements, mais plutôt de manière plus localisée. Là, par exemple, on voit les villes, pas qu'en France, mais de manière générale, qui installent des pistes cyclables provisoires pour le coronavirus. Bon, c'est pas impossible que ces pistes cyclables, en tout cas pour une partie d'entre elles, finissent en pistes définitives. On voit que quand il y a des grèves dans les métros, dans le métro à Paris, à chaque fois, il y a une augmentation de la part modale du vélo, donc les gens prennent davantage leur vélo, et quand la grève se termine, la part ne redescend pas. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui trouvent en fait dans le vélo des manières nouvelles de se déplacer et qui les conservent une fois qu'ils les ont découvertes. Bon, on peut imaginer qu'il y a des gens qui vont découvrir le vélo aujourd'hui du fait du coronavirus, parce que les transports en commun vont être plus compliqués à prendre, etc. Et qu'en fait, une partie d'entre eux maintiennent leur nouvelle habitude de transport. Mais ça restera une minorité, c'est-à-dire que moi j'ai en tête un chiffre à Londres pendant les grèves, enfin donc il y avait une grève à un moment donné du métro et donc c'était que sur une seule ligne, donc les gens pouvaient continuer à atteindre les mêmes stations, mais il fallait passer par d'autres lignes. Et en fait, une fois que la grève sur la ligne qui était en grève s'est terminée, 95% des gens ont repris la ligne initiale, mais il y a 5% des gens qui sont restés sur leur ancien entre guillemets, enfin, sur leur itinéraire provisoire. Et donc ça veut dire qu'il y a quand même une part, donc 5% ça, en fonction de la population, ça peut être beaucoup en fait, mais c'est pas la majorité, mais il y a quand même des changements qui ont lieu, donc je pense qu'il faut plus se poser à mon avis la question de manière plus spécifique en disant est-ce que sur cet aspect précis il y aurait un changement ou pas, plutôt que d'essayer d'avoir des grands discours sur le monde d'après, etc. Enfin, j'ai vu passer des... c'était peut-être Alexandre Doleg, enfin en tout cas voilà, des gens qui mais je crois que tu en as fait aussi quelques tweets
pas en moquant un peu, mais disons, voilà, en prenant un peu de recul sur toutes ces grandes tribunes, sur le monde d'après, ce qu'il va être, etc. Je pense qu'il faut être très très prudent, et même moi qui m'engage à faire un peu de prospective, j'essaye de le faire en amenant des éléments de recherche ou autres que j'ai pu voir par ailleurs qui permettent d'affiner l'intuition. Évidemment, ça reste une intuition. En tout cas, alors là, je me permets moi de répondre sur le fait qu'il y a de l'opportunisme politique. Oui, sans doute. Enfin, ça me paraît évident que... alors, j'expliquerai sans doute une autre fois dans d'autres circonstances pourquoi est-ce que je me suis retrouvé au contact de politiciens ces derniers mois. Mais la politique, c'est aussi un élément... Alors, je ne sais pas si opportunisme politique, c'est forcément le bon terme, mais il faut être stratégique, il faut être tactique quand on fait de la politique. Ça fait partie, en fait, du jeu politique, de recourir à la stratégie et à la tactique. Et on voit bien ici qu'aujourd'hui, les discours consistant à parler du monde d'après, quelles que soient les idées qu'on veut mettre derrière, c'est un élément tactique à utiliser, soit pour faire passer ses idées ou pour éviter que le camp d'en face fasse passer les siennes. Parce que la tactique, elle peut être défensive aussi, elle n'est pas forcément que offensive. Et du coup, alors j'en avais déjà parlé dans des lives précédents, et là je le redis, je pense qu'un jour, ce serait bien pour les sceptiques de faire un petit peu, de parler un peu de politique, mais en allant au-delà du côté purement « les politiciens sont tous des manipulateurs » ou « les politiciens sont tous des imbéciles ». Tu l'as dit un peu plus tôt dans le live sur le fait que les hommes politiques, enfin, sont sans doute tout à... Enfin, alors évidemment, il ne faut pas généraliser, mais sont sans doute très conscients de ce qu'ils font, en fait, et sans doute beaucoup plus que ce que imagine le grand public. Et je pense que c'est des éléments que je ne retrouve pas suffisamment dans la communauté sceptique, qui a tendance à voir les hommes politiques comme une espèce de monolithe un peu... mais ils font un peu la même chose avec les journalistes, en fait. En disant, voilà, c'est une espèce de maelstrom, d'amalgame de gens, voilà, qui connaissent rien, qui savent pas de quoi ils parlent, parce que oui, ils vont prendre le cas du gars chez Europe Écologie Les Verts qui raconte n'importe quoi sur les vaccins ou sur le nucléaire ou sur ceci ou sur cela, mais il faut une fois de plus, ça refait un peu, il y a le cadrage, c'est-à-dire qu'on prend ces gens-là parce que c'est ceux qui vont dans le sens du cadre qu'on a, en fait, qui est un cadre où on considère les politiciens de façon assez négative. Mais si on essaie de prendre un peu de recul, de regarder un autre cadrage, en fait, on voit d'autres choses. Et du coup, je pense que ce serait bien qu'on ait aussi un peu plus de sceptiques qui fassent de vulgarisation de sujets politiques, mais pas au sens quoi penser du sujet X, mais d'expliquer comment sont prises les décisions politiques concrètement. C'est-à-dire, il y a tout un ensemble d'enjeux sur la communication, sur ce qu'on appelle la triangulation. Enfin voilà, il y a vraiment des éléments. Enfin, je pense que la vie politique est beaucoup plus riche et beaucoup plus complexe, en fait, que les discours de certains sceptiques à ce sujet. Mais bon, je referme la parenthèse. Il faut être politiste. Et après, ça, toi, c'est étudier tout ça, c'est être politiste. Oui, absolument. Et moi, du coup, alors, plus modestement, j'ai eu, enfin, la raison pour laquelle j'ai été en contact de politiciens ces derniers temps, c'est parce que j'ai participé à une campagne politique au municipal à Nancy. Donc, c'est la première fois que j'en parle un peu sur le live de manière publique. Donc, j'en parlerai sans doute de manière plus explicite. Une autre fois, parce qu'on attend la fin de la campagne, en fait, pour pouvoir, une fois qu'on aura terminé, parce que du coup, le premier tour a été fait, mais pas le deuxième tour. Donc, quand le second tour sera fait et que je saurai les résultats, etc., et que du coup, ma parole publique sera un peu moins engagée par rapport aux personnes chez qui je serai engagé, j'en profiterai pour parler de ça, justement, parce que le fait d'avoir côtoyé des politiciens pendant une période assez longue, au final, m'a donné vraiment, en tant que sceptique, une vision assez différente de ce que c'était la politique. Mais bon, j'en parlerai dans une autre... voilà, avec un politiste, ou même moi, si je veux faire un live un jour à ce sujet. Il va falloir que je chie ailleurs. Ouais, ça marche plus, c'est vrai que l'heure tourne. Il y a beaucoup de choses dans la chatroom qu'on n'aura pas le temps d'aborder. On n'aura pas tout, mais... En tout cas, merci à toi d'être venu, d'avoir accepté le... Merci, c'était très sympa. Et j'espère qu'on pourra refaire d'autres émissions sur d'autres sujets. Je pense que c'est vraiment important d'avoir pas que des économistes sur la chaîne de l'économiste sceptique. Je suis tout à fait d'accord. Ça marche. Écoute, bah, si tu veux, je vais finir, mais je vais faire mes annonces finales et puis comme ça, ce sera terminé. Voilà, donc je vous rappelle les prochains lives. Donc jeudi prochain à 18h30, ce sera donc Tania Louis sur la question de l'information scientifique pendant une période de crise. Puis ensuite, après le live de Tania Louis, il y aura beaucoup moins de live, mais ça je vous renvoie au début de l'émission où j'en ai parlé.
Et comme d'habitude, je vous encourage à vous abonner, à commenter, à liker, à partager pour l'algorithme de YouTube, ça lui fait du bien, et à mes chiffres aussi. Voilà, et n'hésitez pas si... donc je vois qu'il y a beaucoup de commentaires qui n'ont pas été répondus. Donc je ne sais pas ce que je vais en faire. Je les mets de côté, ils sont archivés quelque part, donc peut-être que je referai un live pour répondre à ceux auxquels je peux répondre. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu, j'espère que vous avez appris des choses aussi à ce sujet, moi j'en ai apprises. Et voilà, que ça vous donnera envie de revoir de voir les prochains lives de l'économiste sceptique. Salut tout le monde et merci à toi Denis d'être venu. Merci à toi. Salut.